c'est, je dis toujours pour les viewers, c'est que les ceux qui donnent les quêtes sont toujours à l'extérieur, dans les donjons, enfin à l'entrée des donjons. Parce que t'es aidé par deux gars là, mais. Moi je me les aggro tous. Oh, tu m'en as piqué deux, c'est go. Oh, 666 de dégâts. Moi, je te dis, c'est un signe ça. Allez, je libère les jolis garçons et beaux gosses. J'attendais qu'il y ait plus de monde. Oh, je te laisse, cadeau. J'ai eu la note et il a bon. T'es le meilleur. Allez, je te laisse la finir. Ça a été vite, j'avoue. Attends, putain de Dura. Ah oui, donc dans le troisième donjon, la nuit de la vipère, on peut récupérer la tenue de la Dame des Ténèbres, la bague créative de Dura et l'anneau de Dura, que je pense que tu as eu. Ouais, on peut avoir la tenue de la vipère. Et en plus de ça, on peut récupérer dans les coffres des pierres de bravoure verdoyantes, des colliers verdoyants, des coffres d'armes toujours, des boucles d'oreilles verdoyantes, anneaux verdoyants, anneaux de Dura et le bac critique de Dura. Et moi j'ai eu un bagua et un anneau. Mais ça ne me sert à rien. C'est gentil et tout, on apprécie le geste. Et voilà, il faut bien avouer que passer une certaine étape, c'est plus tout à fait ça.